Arrêtez tout aujourd'hui, c'est une pièce exceptionnelle. Ouais, c'est énorme. Bonjour tout le monde. Elle coupe la chic à chaque fois, c'est pas possible. Elonder. Général Kenobi. C'est une tribal pour cette vidéo exceptionnelle. Vous n'avez sûrement jamais vu ça de votre vie. Toi, tu l'as déjà vu. Et je vais vous faire découvrir qu'est-ce que c'est. L'anouille de Sauron. Eh oui. Mais c'est réellement l'anneau unique. Mets ta petite main dessus pour montrer la taille de Sauron. Qu'est-ce que c'est que ceci? Bah oui, elle est dans ta... Attends, je vais voir la taille. Elle l'a déjà pris. Ceci, c'est trop grand. Oui, mais ceci est quand même un objet exceptionnel. Ceci, vous l'avez vu dans le film, c'est l'anneau que tient Isildur avant qu'il rétrécisse. C'est l'anneau qu'il y a au doigt de Sauron. Techniquement, c'est le seul et unique accessoire fait à l'échelle de Sauron. Mais il n'a pas les écritures. Non, mais il n'a pas les écritures parce qu'il n'est plus au doigt de Sauron. Donc les écritures sont parties. Parce qu'en fait, pour qu'il y ait les écritures, il faut le foutre dans le feu. Donc là, je vais allumer le poêle, je vais foutre du bois, on va le foutre dedans et puis on va voir si ça s'allume. Tu crois que ça s'allume? Non, ça ne marche pas bien. Non, alors, ce n'est pas le screen UZ. C'est du Jens Henson qui a fait 100 répliques de l'anneau. En réalité, 99, et j'expliquerai pourquoi, sous licence officielle, puisque Jens Henson, pour ceux qui connaissent, dans la bijouterie et dans les répliques, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Le tout vient dans cette magnifique petite boîte avec certificat d'authenticité. Oui, on le met là. C'est aimanté. Certificat d'authenticité. Oui, c'est vachement bien aimanté. Certificat d'authenticité signé. L'anneau est numéroté aussi à l'intérieur. On peut le mettre là-dessus. On peut le mettre là-dessus. Il est parfaitement identique. Pourquoi on le met là-dessus ? Ben, il brille à cause de la lumière, en fait. Mmh. Et cet anneau est en argent 925e, plaqué or 18 carats. Pourquoi j'ai dit il y a 100 exemplaires et il y a 99 exemplaires ? En fait, puisqu'il y a un exemplaire spécifique. Le numéro 24 est en or massif 24 carats. Mais c'est du vrai or. Ah ben, dessus, oui, c'est du vrai or. Et pour vous donner un comparatif, on a de l'or. Mais on est suisse, on a plein d'or de toute façon. Ben oui. Pour vous donner un comparatif, ceci est l'anneau, le Weta, que vous pouvez acheter chez Weta avec les gravures, qui est alors à la taille du doigt de son propriétaire. Ouais. C'est pas moi le propriétaire. C'est... Oui, non, mais alors toi, de toute façon, ça va pas. Mais peut-être que là, vous vous rendez compte de la différence. Ensuite, il y a mon anneau à moi, qui est un goodies, qui brille dans le noir, c'est génial. Ouais. Qui est, ben voilà, à peine qu'il est plus petit. Sinon, ça colle. Non, ça colle pas. Qu'est-ce que tu racontes? Ça se colle ensemble. Mais non, c'est pas inventé. C'est pour vous. Donc ça, c'est le seul Weta, je crois qu'il est en tungstène, si je ne dis pas de bêtises. Mais comme ça, ça vous donne une idée de la différence. Mais si on est à la lumière, lui, il brille. Oui, si on est à la lumière, lui, il brille. Donc ce... Mais non, bah, ça ne marchera pas là. Donc ce petit bijou que je vais nettoyer un coup, c'est mon ami Thomas, qui est donc une des plus grandes collections du monde, la collection la plus exceptionnelle de France, qui m'a apporté ça pour que je vous présente ce petit bijou, puisque c'est à voir et à avoir. Moi, je dois mettre tous mes doigts pour qu'il soit à la bonne taille. Oui, mais toi, ça te fait un bracelet. Ou toi, ça te fait une couronne. Bouge pas. Moi, ça fait tout. Ça lui fait une couronne. Ah non, parce que tu sais que si tu restes coincé, on a l'air con. Hein. Et ça pourrait être possible. Et donc, c'est cet accessoire qui m'a permis de déterminer la taille réelle de Sauron. Le savant calcul, où je peux vous remettre toutes les vidéos, le bus de Sauron, là, entre autres, où j'ai expliqué que ce n'était pas la bonne taille, eh bien, ce savant calcul part de là, je suis désolé, dès qu'il y a des traces, ça m'énerve. C'est à partir de cet anneau qu'on peut calculer la taille de Sauron, le Seigneur des Ténèbres, puisque cet anneau est plus grand que celui que vous avez sur le buste 1-1 du Infinity Studio. Il y a des années de ça, quand j'ai eu accès à l'anneau d'origine, eh bien, j'ai pu me baser sur les références, la taille de cet anneau pour calculer toute la taille de Sauron. Ne me demandez pas comment j'ai eu accès à l'anneau d'origine, ça je ne le dirai pas, pour ne pas donner de l'eau au moulin de mes haters. Et voilà, c'est exceptionnel. Je vais tout le temps nettoyer hein, ce truc, c'est grandiose, c'est magnifique. Alors Thomas, coucou Thomas, dis coucou à Thomas. Coucou. Merci de m'avoir passé cela, confié cela,
Parce que rien que comme ça, c'est magnifique. Et ça fait de la taille du doigt à Sauron. Oui, ça fait la taille du doigt à Sauron, et puis tu vois. Bah, il est trop gros son doigt. Bah, c'est un grand type, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as vu, on se voit dedans. J'essaierai de montrer à l'écran. C'est à cause de son armure? C'est... Ah non, c'est pas à cause de son armure, non, il est gros. Alors effectivement, à cause de l'armure, il est plus gros. Mais au moment où il a l'anneau, en fait, non. Alors comment il a enfilé son anneau par-dessus son armure? En fait, le truc, il est fait. Et puis après, se mettre à la taille de son doigt. Magie Tolkien. Enfin, je vais pas rentrer dans le débat. Mais ceci est la pièce à avoir dans toute grande collection du Seigneur des Anneaux, que tous les grands collectionneurs de ce monde ont, en réalité, hein, quasiment. Elle est sortie il y a de ça quelques années, sold out immédiatement. Ceux qui ne l'ont pas eu, c'est parce que ça a été sold out trop vite. Et flûte, comme on dit. Combien ça vaut? Combien ça coûtait? Alors, prix de sortie, c'était 1600, c'était 1500. Non, c'était 1500 dollars prix de sortie, au moment de la sortie, hein, au moment des précommandes. Aujourd'hui, combien ça vaut? J'ai rien qu'au poids de l'or et tout ça, et puis le matériau et trucs. Faut toujours parler d'argent. Ça vaut une, deux Master Collection. Et l'anneau, le numéro 24, en or massif 24 carats, comment vous dire? C'est quelques Master Collection que ça vaut, pour vous donner une idée. Mais, honnêtement, dans ta main. Ça n'a pas de prix. Ça, c'est le vrai. Vous avez une collection d'anneaux de pouvoir, il vous faut tous les anneaux de pouvoir. Et celui-là, on s'en centre. C'est une pièce absolument sublime, parfaitement accurée dans la forme, puisque l'anneau, c'est le goodies qui se vend le plus au monde. Je veux dire, tout le monde a des anneaux, enfin sauf moi. Je suis le seul gars qui, pendant 10 ans, dans une collection d'anciens anneaux, n'avait pas d'anneaux parce que j'ai trouvé tous moches. Parce qu'en fait, sa forme est quand même subtile. Et même pour les anciens anneaux, ils ont mis longtemps à trouver la forme de l'anneau. Et si je ne dis pas de bêtises, c'était l'alliance d'un des gars qui travaillait sur le film. Ils ont dit que ça, c'est génial. Et ils ont repris ce modèle parce que c'est très subtil. Aujourd'hui, sur 100 personnes qui ont des anneaux dans leur connexion, il y en a peut-être un qui a la véritable forme de l'anneau. Mais tout le monde achète ça parce que ça coûte pas cher. Puis, oh, mais de loin, qu'est-ce qui ressemble plus à un anneau en or qu'un anneau en or? Non. Ça brille. Oui, ça brille. Est-ce que ça ressemble à tous les anneaux en or que tu as vus, ça? Ben voilà, fin de l'histoire. C'est une pièce exceptionnelle. Merci encore, Thomas. Et merci aussi de me permettre de présenter ça, parce que c'est... ça ferait lourd au collier. Et si on met un élastique pour la couette, ça faisait... Ça faisait pas la bonne taille. Tourne la tête là-bas. Thomas va me tuer. Non, ça le fait pas. Il y a encore des traces. C'est un truc. Et puis avec tous les poinçons, la numérotation l'or, à l'intérieur. Ça fait des taches. Non, alors l'or ne s'oxyde pas. Ça peut pas s'oxyder, mais c'est moi qui les dois tout gras. Normalement, je devrais toucher ça avec des gants, mais bon. Hein? Toi, c'est encore pire que moi. Oui. Mais ça peut pas s'oxyder. Là, ça risque rien. Donc on rouvre la petite boîte. Magnifiquement aimanté. J'ai vu le petit aimant. Le petit aimant qui est là. Alors ça, il manque. Faudrait que je rajoute au post-montage. Ben vas-y. Faudrait que je rajoute le boom. Je sais pas si j'y arriverai. Et voici une pièce d'exception pour une collection d'exception qui est la collection de Thomas. Mais si vous ne la connaissiez pas, j'espère que vous pourrez la découvrir et que ça attisera la curiosité de certains. Donc si vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous. Activez la cloche. Il y aura bien sûr une review photo sur ma page Facebook de cela et des autres anneaux à côté pour vous montrer le ridicule de la situation, hein, bien entendu. C'est un assez gros roi à la bonne taille. Oui, et il est à la bonne taille. Il est parfait. C'est pas souvent que je dis ça. Là, on est face à la perfection. Et c'est sur ça qu'on va se quitter. La vie est belle. Elle est déjà belle. Voilà.